J'ai vécu ces derniers jours entre incertitude et espoir, entre la joie de pouvoir voyager et la tristesse que les autres n'aient pas cette possibilité et que cela ne soit pas un droit pour tout le monde. Ce qui est sûr, c'est que je vais rester vivre à Cuba, parce que je veux travailler ici. Je veux être journaliste ici. Je veux me lever chaque jour en me comportant comme une journaliste libre, et mon pays devra accepter cela. Pour l'instant, mon agenda de rencontres est essentiellement centré sur des citoyens. Je suis ouverte à tout type de rencontres, sans avoir à faire de compromis. Je ne suis ni une politicienne ni une diplomate. Je suis une citoyenne qui exerce la diplomatie populaire. Ce qui me tient le plus à cœur dans cet agenda, ce sont les gens, qui ne sont peut-être pas aussi connus que des présidents, mais qui sont tout aussi importants pour moi dans ma vie.